Waouh. Need for Speed, les gars, je sais pas vous, moi c'est un peu le jeu de mon enfance avec Need for Speed Underground, Most Wanted, Carbon. C'est quand même un jeu, quand j'étais petit, j'étais là en mode avec mon tonton, viens on joue toute la journée quoi, profitons. Et c'était incroyable, la liste noire sur Most Wanted, oh là 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 là, c'était magnifique quoi, les scénarios étaient incroyables. D'ailleurs les gars, cette vidéo YouTube est sponsorisée par EA. Bah les gars, je pèse. EA, ils m'aiment bien, moi je les aime bien, donc c'est top. Et en plus les gars, je vous l'avais dit il y a quelques temps déjà, ma voiture préférée c'est laquelle? La 190 Evo 2. Et là comme par hasard, sur Need for Speed Unbound, la voiture de la jaquette, c'est ma voiture préférée. Là c'est vraiment que du kiff, donc merci encore à EA les boss. Sécurité des pilotes, toutes les expériences contenues dans le jeu ont pour but de vous divertir. Dans le monde réel, respectez le code de la route et attachez toujours votre ceinture de sécurité. Bah merci de nous le dire. Bousy en 325 Ti sur NFS. Bah les gars, moi j'ai envie de trouver ma M3 sur le jeu. Choisissez un personnage et modifiez-le. Quel personnage me représente le mieux les gars? Lui, si on peut le mettre en... Après lui, il est beau gosse par rapport à moi, mais... Si on peut le mettre en mode blond... brun, pardon. Ah, si on peut. Tête. Y a pas un mulet? Attendez, quoi? Ils ont pensé à moi de fou. Je peux pas y croire. Ah mais non, mais les gars, c'est moi. Moi, je suis peut-être plus les cheveux noirs, non? Eh les gars, j'ai trop de flow. Je veux rien savoir, j'ai trop de flow. Vêtements. Il y a du locked. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est moi, ça. Choisissez une épave à restaurer. Oh la vache! Bah, une Sylvia direct, les gars, on est d'accord? On a passé l'été sur cette bagnole. Ah putain, oui, elle est bien restaurée, là. Vous vous rappelez à l'époque la mode rat où tu voulais avoir une voiture rouillée? Ok, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Accélère. Braquer et appuyer brièvement sur le frein. Oh là 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 là! Attends, c'est quoi qu'ils appellent le frein? Parce que normalement, c'est pas le frein normal, c'est un frein hydraulique. Putain, va falloir que je sois bon, les gars, ça va pas être simple. On peut jouer au volant, vous pensez? J'ai un volant qui traîne, mais je pense que non. Course de rue. Oh là là, on est vraiment dans Need for Speed. Ouais, à nous de jouer. Enfin! On va arrêter de tirer le vent, attache ta ceinture. Multiplier les sauts, les drills, l'aspiration et les frôlements pour remplir votre jauge. Ah ok. Hop. C'est rien du tout. Je frôle. T'avais imaginé qu'on en arriverait là un jour? J'espérais un peu, ouais. Il n'y a pas vraiment de frein arrière, j'ai l'impression. Peut-être carré. J'essaye carré ou pas? J'essaye carré. Ah voilà. Gros virage à droite. Petit coup de frein à main. Ah ouais, mais en fait la réaccélération. Waouh. Ah mais là je suis full en fait, j'avais pas fait gaffe. Faut choisir la fumée grise pour enlever le truc cartoon. Ah ouais ok, je ferai ça tout à l'heure. Là en fait j'ai pas accès aux options pour l'instant je crois. C'est un peu le didacticiel en fait. Les flics. Ouais non mais là je suis foutu les amis. Hein. Ah non mais c'est scripté pour qu'ils m'attendent. En fait il m'a attendu. Il a attendu que je le double. Mais j'étais carrément trop derrière. Waouh. Je suis le seul mec qui peut perdre un tutoriel. Bon, putain, ça c'est Need for Speed, les gars. Ok, ça c'est le garage. Donc là, les gars, dans Need for Speed, vous avez trois modes. Le mode histoire, où vous allez jouer, vous allez suivre une histoire, il n'y a pas de mode en ligne. Enfin, il n'y a pas de. Vous pouvez pas jouer avec vos potes dans le mode histoire. Et le mode en ligne. Le mode en ligne où, en fait, l'avantage c'est que t'as un monde ouvert, donc tu te balades comme tu veux avec ta voiture, et après tu vas faire des courses à droite à gauche. On a du coup notre Subaru BRZ qui est très lente, mais bon, le but ça va être un petit peu de l'améliorer et surtout d'aller remporter des courses pour gagner de l'argent et m'acheter ma fameuse M4 ou ma fameuse M3, M2. Salut, j'ai une Lamborghini Aventador pour toi. Ah. C'est celle d'un pote et il voudrait voir ce que sa supercar a dans le ventre. Mais y'a pas de problème, j'arrive. Sympa comme caisse. Le jeu quand même est beau. Là, quand tu vois la ville, en vrai, la voiture, le bruit, moi j'aime pas. J'aime bien. Après, c'est une map Need for Speed, tu voyais, ça reste un peu le même style avec une grande ville avec de grands bâtiments, des routes assez larges, un peu de campagne, des petites zones industrielles, des grands sauts comme ça. Oh putain, on va conduire ça les gars? Lamborghini Aventador SVJ Roadster. C'est pas celle qu'il a Lulu les gars, celle-là? Ah non, il a une SV, il a pas une SVJ je crois lui. Ah putain, faut faire un chrono, j'adore ce qui se passe. Faut pas se rater les gars. Ah je crois que j'ai pas fait un bon départ. Ok. En mode focus. Va vite hein. Ok. Cette voiture a une tenue de route magnifique, par contre j'ai pas d'excuses.
J'ai même pas besoin d'aller... d'aller me mettre en glisse, tu vois. Non mais si t'as une voiture comme ça à la fin du jeu, mais t'es incroyable. Un truc qui doit aider, c'est quand tu connais la map par cœur. Oh mais c'est bon, je suis large dans les temps, j'ai 15 secondes d'avance. Easy. Voiture livrée, 3000$. Ok, à ce stade-là, 3000$, c'est pas dégueu, c'est des suspensions. Non mais en vrai, ouais, vu que je suis au début du jeu, pas dégueu. Pas fait mieux, c'est sûr. Ok, on va aller à l'épreuve là-bas. On fait un peu de chambre, c'est une Subaru les gars. Oh la vache, je tente ici, regardez les gars. Oui, je détruis les arbres. Oh, y a un saut de fou là. Ah oui. Si je reste derrière le flic, il me voit pas. Hein. Oh bâtard. Oh non. On engage la poursuite. Central, on se tient secoué. Mais le camion là. On coupe à travers champ. Oh ah ah. Alors c'était pas prévu ça les gars. Ah mais il est coincé. Il avance plus. Ok, je suis à la planque. Allez au garage, là on peut mettre l'argent de côté et on va faire quelques modifs je pense. Mais ça me coûte trop cher. Comment je peux faire là? Il faut alléger la voiture ou mettre un peu plus... Après si je l'allège en soi, je mets un peu plus de patate. Je prends des suspensions ou quoi? Ça hein. Bon, les gars j'ai plus de sous hein, j'ai tout donné. Vends elle et achète une autre voiture au pire. Bah, c'est vrai que ma voiture là elle est vraiment pas terrible. En vrai je vais aller à la planque, je vais voir combien elle vaut. Allez hop. Si en vrai ils prennent en considération toutes les modifs que j'ai faites, peut-être que je peux être rentable à la vendre et acheter une nouvelle. Achat-vente. Ah, vendre. Vous ne pouvez pas vendre votre dernière voiture. Ah donc je suis coincé. Ou alors faudrait que j'en gagne une. Je sais pas où je vais aller, mais il faut que je gagne de la thune. Là faut que je sois en A. B, force et courage, course de vitesse. Vas-y, bah faut que je fasse ça. 7000$ à gagner, les gars, c'est pas dégueulasse. Hein. Elle coûte combien la M3? Bah en fait, y a pas de M3, y a la M2 et la M4. Et c'est dans les prix, c'est genre 100 000. Très rapide. Et c'est elle qui l'a. Mais là, je pense que je m'achèterais plus la M4 quand même. Pardon. Oh, c'était les flics. Oh, c'était les flics. À plus, artiste. Ils m'ont rien dit. Ok, les gars, j'y suis. Hop. C'est fait exprès, les gars. Adversaire, ouais, bon, je me doute que c'est pas mal. Hein. Ok, parfait. Bon, là, par contre, je vais pas parier dans le haut du tableau parce qu'on sait très bien que là, en plus, c'est une course de vitesse. Y a pas forcément trop de virages. On va me faire enrhumer la gueule. Par contre, il y a beaucoup à gagner là, hein. Faut que je me concentre. Allez les gars, focus. Départ parfait. Même avec un bon départ, ça va être compliqué de prendre les devants. Ça reste intéressant, une 3 ou 4ème place ou pas les gars? J'ai 3000$ en attendant 5ème. Faut espérer qu'il se plante en virage en fait. Oh putain, heureusement il s'est soulevé de l'arrière. Mais là j'arrive plus à reprendre. En vrai, dès que je perds un peu de vitesse, c'est mort après. Ils sont juste devant les deux premiers là en soi. Là en montée, regardez ma voiture comment elle peine. Regardez en montée. Oh, bop. J'ai une 4L ou une Subaru BRZ là? Là, je prends des bonus de contresens, mais c'est trop léger. J'ai même pas besoin de freiner en virage, tellement j'ai pas vite. Faut qu'il se prenne une voiture de flic. Allez, les flics chantent sur vous, les gars. Arrêtez-le! Allez! Allez! Tape dans le fond! Même en descente, je me traîne, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y en a un qui va se prendre un mur. Hein. Ok, on est à 92%, ça va être full ligne droite.
l'impression que je revenais un peu sur eux sur la fin, les gars, non? En fait, dès que ça montait tout à l'heure, c'est là où j'ai tout perdu. En vrai, troisième, je prends 9000. Je dis pas non. Et ça se trouve, j'ai battu mon concurrent. Mon rival. Ouais, 9000, c'est bien. Ah merde, il y avait l'inscription. Je prends 6006. Il y en a pas d'autres, hein. Des rentables. On va aller là, hein. 3 courses au même endroit. Petite pause dans la vidéo, les gars, pour vous rappeler que le jeu est dispo sur console next-gen. Xbox Series S, Series X, PC et sur PS5, évidemment. Et pour ceux qui ont le Game Pass, vous avez 10 heures d'essai gratuit. Donc, c'est-à-dire que pendant 10 heures, vous pouvez jouer. Et si jamais le jeu vous plaît, au bout de 10 heures, vous pouvez l'acheter. Sinon, eh ben, vous passez à autre chose, tout simplement. C'est là-bas. Ok, on est bon. On commence par laquelle? On va faire celle-là, même si elle est simple. On va parler avec lui. Ok, let's go! On va faire un bon départ. Parfait, les gars, parfait! Oh, l'intérieur! L'intérieur! Oh, il y avait un petit saut à gauche, j'aurais pu te couper. Un peu dans la... Quoi? J'ai trop le seum. Mais comment ça se casse pas ce truc? C'est scripté. Non. Oh, ils sont vautrés. Mais le premier est déjà parti. Non. De toute façon, que ma caisse, si je freine, c'est que j'ai perdu. Non. Mais casse-toi avec ton 4x4 là. Trop loin devant. Dégagé, voilà, voilà. Bon, je suis troisième, quoi. Ils sont loin. Oh, ils vont trop vite. Les gars, attendez-moi. Normalement, une Subaru dans la terre, comme ça, je suis mieux. On a bientôt fini. Oh non, encore ce truc-là. Je vais le dépasser. Allez. Troisième. Ça va. Allez, 6750, on prend, les gars, non? Enfin, 5100, du coup. J'aurais pas... Oh putain. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Encore. Ils sont trop forts pour faire des demi-tours. Non mais les gars, ça va 2 minutes. Ah, le mec il se prend le mur, il repart comme ça là. Pas mal ça. Déjà lui. Notre suspect nous a semé à Université Centrale. Notre suspect est forcément tout près d'ici. Centrale, je sens que c'est là-bas. On va finir le boulot. La cible nous attaque. La route est trop large. Ok, avec le camion, je vais m'aider du camion. Oh la masterclass. On vous envoie la cavalerie. Allez les gars, on va pas se laisser fuyer comme ça. Notre suspect a disparu près de double. Faut que j'aille à la planque là les gars, faut que je change ma peinture. Allez, plus vite que ça. Oh le chien. Ah, faut juste passer de la nuit à la journée à la planque et c'est bon. Oh, ça fait être masterclass. Oh, ça fait être masterclass encore une fois. Ne lâchez pas notre suspect, les renforts sont tout proches. C'est raté, ça a servi à rien. Ah, regarde, ils peuvent pas là, ils peuvent pas. C'est trop étroit. Je sais pas combien de temps on va tenir comme ça. Mais bon sang, c'est pas possible. J'ai peur qu'il y ait encore une voiture à droite là. Oh
Oh, comme par hasard. Comme par hasard. Ah, je suis coincé, les gars. Ah, je suis câblot, les gars. Faut que... On peut jouer à Manescaf. Ouais, ouais, ouais. Voilà, vitesse qui va. Wouah, wouah. À toutes les unités, on nous signale que le véhicule de notre suspect vient d'entrer dans l'Université Centrale. Ah. Oh. Notre suspect nous a fait une coudinée à Douglas Park. Comme par hasard, on va encore voir une voiture là. Oh, il arrive. Non. Non! Oh, il s'est trompé. Il s'est trompé. Regardez, hop, 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 hop. Et là, hop là. Ah! Oui, je... Ah oui, en fait, le but, c'est de me détruire aussi. Il me faut que je passe à une station, là, les gars. Il doit y avoir une station par là, c'est sûr. Comment je t'ai niqué, toi? Comment je l'ai niqué, lui? Oh, comment je l'ai niqué! J'y suis presque! J'y suis presque, les gars! Oui! Non! Oui, allez, allez, allez! Je suis au camping! Mais de quoi on a l'air là? Oh. Allez, c'est pas le moment de faiblir! Oh! Oh, la pause! Contrôle, votre suspect conduit une Subaru! Contrôle, ça devrait aller vite! Non mais les gars. Ah oui, bah là les gars, ça va être compliqué pour moi. On va devoir être un génie. Évasion déjà. Let's go. Oh merde. Non. Non. Oh, je suis pas d'accord. J'avais fait le job. En fait, faut que je me mette proche d'une planque. Comme ça, quand je les, au moment où je les sème, je peux aller à la planque. C'est pas avec ma BRZ que je vais semer des flics comme as, hein. Oh, je les ai niqués. Oh, comment je les ai niqués. Comment je les ai niqués. Oh, oh, vite, 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 j'ai la planque. Oh, oh, je suis un génie. Oh, je suis un génie. Oh là 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 là. La masterclass. Là, je vais être en A+, avec ma M3, M4. Après, je serai en S et S+. Mais S+, là, tu vas vraiment trop vite. Il y en a qui sont déjà en S ou S+, là. Oh, t'as des réglages pro-volant et tout maintenant. Ah ouais. Bah, n'hésitez pas à checker avec le volant, les gars. De toute façon, ça coûte rien. Si vous avez un volant chez vous, n'hésitez pas. Hein. Si vous kiffez au volant, allez-y. Hein. Moi, j'ai le jeu sur EA, là. Vous l'avez aussi sur Steam, pour ceux qui jouent sur PC, sur PS5 et sur Xbox Series S ou Series X, pour ceux qui sont Team Xbox. Bah j'ai bien kiffé, mais malheureusement, on n'aura pas réussi à avoir la M4. Hein. On est d'accord que je vais rejouer, là. On va essayer de se prendre la M4, de la tuner max, parce qu'en vrai, une belle BM comme ça, bien modifiée, ça va être carré. Petite conclusion pour terminer, les gars. Le jeu, je kiffe. L'aspect arcade, ça m'avait manqué. Ça me rappelle un peu ma jeunesse, les Need for Speed à l'époque, Most Wanted, Underground, tout ça. Franchement, c'est top. Le tuning, vous allez le voir par la suite. On peut faire énormément de choses. Le bousy du futur vous parle. J'ai acheté la M4 et je l'ai tunée au maximum. Elle est magnifique. Les graphismes cartoon, peut-être que certains vont pas aimer. Moi, pour le coup, ça me dérange vraiment pas du tout. Au contraire. Et le principal, c'est ce que je préfère, c'est que dans le jeu, on monte crescendo. Tu commences pas direct avec une voiture de fou, putain. Tu commences avec une petite merguez et petit à petit, tu te fais de la thune et tu t'achètes des meilleures voitures. Et ça, pour moi, c'est hyper important.